Salut à tous, alors on s'apprête à partir à Kerzen Coffee, il est dimanche matin. Kerzen Coffee commence environ une heure, donc on a largement le temps. On m'a promis une McLaren 720S, donc normalement de très belles choses à voir, de très belles vidéos, notamment parce que j'ai un petit peu changé de technique pour filmer. On a un miroir juste ici. Et du coup, j'utilise un DJI Osmo Mobile. Donc normalement on devrait avoir bientôt de plutôt belles vidéos. Plutôt stable. On va voir ce que ça donne. Alors, faut me pardonner, c'est la première journée où je vais l'utiliser. Donc, soyez gentils avec moi. S'il y a quelques ratés, je suis désolé. On verra bien ce que ça donne. Mais normalement, vidéo très stable. Et puis, peut-être quelques petits timelapses, des petites conneries dans le genre pour agrémenter un peu la vision. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, donc il y a une 720S qui vient d'arriver. 720S parce qu'elle fait 720 chevaux. C'est une pure beauté quoi, elle est magnifique. C'est la première fois que j'en vois une hors salon de l'auto, donc je suis assez content. C'est un véhicule qui coûte quand même 250 000 euros, donc on n'en voit pas tous les coins de rue. Bam, Alfa Romeo 8C, 500 exemplaires au monde. C'est la deuxième que je vois au Luxembourg, donc il y en a au moins deux qui sont immatriculés au Luxembourg. L'autre était noire.
C'est vraiment superbe. Il y en a qui vont préférer la 4C pour le fait qu'elle soit un peu plus petite, mais celle-ci est juste superbe quoi. Skyline R34 GTR. Donc ça a longtemps été un peu le Saint Graal du tuning automobile. Ça s'est un peu calmé ces dernières années, mais on en trouve encore pas mal, notamment ici à Luxembourg. Il y en a quand même quelques-unes. On en trouve quelques-unes. Celle-ci avec sa couleur beige, c'est assez original. J'en avais pas vu encore des comme ça. On en voit surtout des grises en fait. On a la Lancer de l'organisateur du meeting Modified sur lequel on avait été il y a quelques semaines de cela. Donc on l'avait vu pas mal dans la vidéo. Elle est vraiment cool du fait que ce soit une version break, donc relativement rare. C'est plutôt sympa de l'avoir ici au Cars & Coffee Luxembourg. Il y a une 997-2 qui s'est perdue parmi toutes les japonaises, c'est assez marrant parce que toutes les Porsche sont clairement à l'autre bout. Donc c'est assez marrant de voir ça ici.
De retour du Cars & Coffee, j'espère que ça vous a plu. Moi j'étais super content d'enfin voir une McLaren 720S. En fait j'en avais jamais vu hors salon de l'auto, si vous voulez, donc le fait d'en voir une dans un environnement un peu plus réel, quelque part, ça faisait vraiment plaisir, donc j'étais vraiment content. J'ai pu pas mal jouer avec le Osmo au mobile, donc c'était cool. J'étais content de pouvoir faire mes petites vidéos et tout, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos, notamment la présentation de la remplaçante de la A3. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, la remplaçante est là. Donc si vous avez reconnu, là je ne vous ai pas spoilé, là je ne vous ai absolument pas spoilé, vous n'avez pas pu reconnaître. Je veux dire, celui qui reconnaît avec ça, il est très bon. Si on peut dire quoi, on peut dire... Non, on peut rien, on peut pas déterminer grand chose. On peut pas déterminer grand chose, donc allez voir la vidéo et puis... Comme d'habitude, petit pouce, et puis abonnez-vous, et bye bye.